Depuis quelques semaines, les pays d'Afrique de l'Est font face aux menaces des criquets pèlerins. Ces criquets dévastent les cultures et les flores et font planer le spectre de la famine. Pays du Sahel, le Tchad se prépare en conséquence pour la riposte si cette menace le pays vient de recevoir grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, un hélicoptère mixte. La cérémonie de réception de cet appareil a eu lieu dans les locaux de l'Agence nationale de lutte anti-acridienne. Pour le directeur général de l'ANA, Adoum Mohamed Oli, l'hélicoptère a pour mission d'assurer la prospection et la vulgarisation. Impressionné de voir le Tchad se préparer efficacement si les criquets passaient, le représentant de la FAO réaffirme l'engagement de son institution aux côtés du Tchad. Nous avons par conséquent depuis eu à travailler d'arrache-pied avec l'Agence nationale de lutte anti-acridienne pour que le pays soit doté des moyens les plus adéquats, lui permettant de faire face à cette éventuelle question. Le ministre de l'Agriculture a salué l'appui en équipement aérien de la FAO. La présente cérémonie de réception de l'hélicoptère affrété pour la prospection et la lutte contre les criquets pèlerins au Tchad témoigne la volonté manifeste partenaires techniques et financiers, en particulier le CLC Pro FAO, d'accompagner le gouvernement dans cette lutte pour la protection des producteurs tchadiens contre les ennemis des cultures. Doté des équipements de haute technologie, l'hélicoptère Mix a la capacité de contrôler le déplacement des criquets pèlerins depuis les frontières avec le Soudan et de les détruire.